Lui, c'est Philippe, hein. Il n'est pas musicien, il est caméraman, mais il faut l'applaudir très fort, il aime bien être applaudi. Philippe! Lui, c'est Philippe. Il n'est pas vraiment musicien, il conduit les trains à Saint-Pierre-des-Corps à côté de Tours, mais enfin, il aime bien qu'on l'applaudisse. Il s'appelle Philippe. C'est gentil. Ah non ? Lui, c'est Christophe. Ouais. Alors en fait, ce qu'on voulait faire avec les copains musiciens, on est venu vous présenter les chansons d'un nouvel album qui s'appelle Papa chante loin, et aussi des chansons d'un autre album qu'on a enregistré il n'y a pas si longtemps que ça. Et avec les copains, en fait, Christophe, qui est très riche, oui, il a beaucoup d'argent. Ça se voit d'ailleurs, il mange bien. Ouais, il a acheté un gros camion, il m'a dit, Alain, si on pouvait repartir du Grand Bornand, enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être à la rentrée scolaire, parce que vous êtes bientôt à l'école. Non. Bande de vénards. Bande de vénards. Eh ben, Christophe a trouvé un moyen pour pas aller à l'école. C'est tout, c'est de partir en tournée avec nous et de venir chanter avec nous dans toutes les écoles de France et surtout de Guadeloupe, parce qu'on part déjà en Guadeloupe au mois de septembre. Ça vous dirait de partir en Guadeloupe? Ah ouais, mais moi, Benzo, Alain, il m'avait dit, tu sais, les enfants sont vraiment remontés ici. Si ça vous dit de partir en Guadeloupe, faut faire « Ouais, allez-y !» Ouais. Mais si on part en Guadeloupe, on va tous être chanteurs. Ouais. On va tous passer à la télé. Ouais. On va tous passer à la Starac. On va tous être intermittents du spectacle. Et pour être chanteur, on croit qu'il faut savoir chanter fort, c'est pas vrai. Pour être chanteur, d'abord, il faut savoir écouter. Pour piquer les plans aux gens, ça c'est un bon moyen, je vous le garantis. Alors j'ai composé une petite chanson, je vais la chanter tout seul avec mes acolytes. Et puis, après le spectacle, non, après la chanson déjà, je vais vous dire comment faire pour partir avec nous en tournée, là-bas, sous les cocotiers. Papa chante loin, très loin, trop loin de Jules et de Valentin. Papa chante, c'est son métier, tu le sais, drôle de métier que tu fais, papa. Papa chante et tes grands bras sont pas là pour nous bercer, et pas là non plus le son de ta voix gronder ou câliner. La Réunion, et je t'enseignerai le pas d'un Seigneur ou d'un Maloya, ou bien de morue ou massalée. Que préfères-tu pour le dîner? Les bouchons ou les samoussas à la boutique du Chinois? Tu verras comme les gens rigolent lorsque moi ils causent créole. C'est pas facile quand tu essaies de ne plus passer pour un zoret. Les mots en l'air! C'est pas pareil. Hey là-bas, les lions là où sommeil. On reprend sa cavalière pour partir en Guadeloupe. Ne pleure pas, petite fille, je vais te chanter les Antilles. Où toutes mes petites copines se tendent dans la biguine. Chez mon amie Madame Marcella, là où la langouste est si belle, tu pourras goûter le lambi, le colombo, le crâne farci. Comme les oiseaux de passage, nous danserons au carénage, pour peu que nous ayons le choix entre un style bandé et un gros calé dans l'air. Y'a que t'es pas toujours du soleil. Marie-Galante et Saint-Denis, je m'endors. En vent ou haut de Basse-Terre, arrivé
pied d'un fil là-haut. Allez. Là-bas, y'a peut-être pas toujours du soleil. Là-bas, y'a un coin de mon cœur qui sommeille. C'est la société de la technologie. Ça prend ça.